Salut à tous, c'est Maxime de Maxiphasme et aujourd'hui je fais cette vidéo pour le suivi d'élevage du mois de février. Donc pour l'instant là j'ai plus rien du tout en phasme, donc voilà. J'ai plus que les œufs en incubation. Et voilà. Donc on va commencer par la Pnigomantis mediconstricta. Elle va très bien. Donc elle a mué et elle mange bien. Là j'ai mis un grillon pour qu'elle chasse. Voilà, toujours le terrarium de libre en dessous, il n'y a rien dedans. Alors donc ça c'est la femelle Philocrania, ça c'est le mâle. Donc voilà. Alors là, ce sont les œufs d'Isella Smith Bertherandi avec la femelle qui était à l'envers. Voilà. Donc ça, il y a un mâle, un autre mâle. Et là, c'est la femelle qu'on ne voit pas très bien. Donc, je vais refermer ça tout de suite. Hop là. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc, là, c'est mon gecko léopard. Il va bien, voilà. Il y avait un moment où il mangeait plus, mais c'est passé. Et là, il a repris l'appétit. Donc, voilà. Et, donc là, niveau poisson, bah, il y a toujours les femelles Beta Splendens. Voilà. La bleue, là. La dragonne, toujours la chef de l'aquarium. Donc là, il y a le poisson télescope. Voilà, il va très bien. Donc là, je vais vite faire quelque chose. Parce que... il y a un tout petit problème, c'est que les gouramibes, enfin le gouramibe, il arrête pas d'aller à la surface et de faire trembler toute l'eau. Donc je sais pas pourquoi, mais d'un coup il monte comme ça et puis il redescend. Donc là c'est une traînée d'eau qui est restée. Donc c'est que du calcaire. Donc là j'ai acheté il y a pas longtemps un couple de colisins. Donc ce sont des colisins nains. Le mâle qui est au fond, là, en orange. Le gourami blanc. Le colisa perlé. Et là, c'est un guppy à coupure mélasse. Donc, c'est un molly black. Donc, voilà, que j'ai acheté. Donc, cet aquarium-là, bah, y a rien dedans. Donc, voilà. Bah écoutez, c'est déjà la fin de ce tout petit suivi d'élevage, hein, parce que là j'ai plus beaucoup. Bourse de Mons, bah je vais un peu racheter. Hein. Donc voilà. Allez, ciao à tous, c'était Maxime de Maxiphasme.